Ici, les jeunes étourneaux sansonnés attendent leur repas. Nous, on a faim. Un à la fois à l'entrée du trou. C'est un endroit calme et très reposant, proche de la ville. Le chat, c'est l'un des plus grands prédateurs pour les oiseaux. Et oui, l'un des dangers. Peut-être devrions-nous dire le danger qui menace les mésanges urbaines, ce sont les chats. Chaque année, plusieurs centaines de milliers d'oiseaux sont capturés dans notre pays par ces redoutables et patients prédateurs qui peuvent passer des heures à attendre un moment d'inattention de l'oiseau convoité. Je reviens dans la vallée pour entretenir les nichoirs. Je croise le personnel de la ville. Les piques et pêches ont encore agrandi quelques nichoirs. Il faut absolument les arranger. En mettant une plaque de métal, je vais essayer de les empêcher de s'attaquer au bois. Et au suivant. Je profite pour le nettoyer pour la prochaine nidification.
tout est prêt dans ce refuge LPO. Mais c'est un éternel recommencement. Dans un nichoir, 8 petites mésanges ne sont pas nées. Le radar. En général, les VTT roulent ici plus doucement. Ah, c'est une rando. L'automne arrive doucement, avec ses belles couleurs. Notre écureuil est là. Que fait-il ? Déménage et cherche un endroit plus chaud pour affronter les rigueurs de l'hiver.
Parmi les mammifères, le seul en ville à grimper aux arbres est l'écureuil. La plus fréquente reste l'espèce sauvage européenne, l'écureuil roux. Sa queue en panache et son ventre blanc permettent de l'identifier au premier coup d'œil quand il grimpe avec agilité le long d'un tronc, qu'il saute de branche en branche ou qu'il ronge un gland ou une noisette assis sur une vieille souche. Je ne suis pas le seul à admirer ces acrobaties. Sébastien Tanguy, photographe animalier amateur, est là aussi. Chut, silence.